Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, mais ça devient une petite vidéo concours, voilà. Donc concours sans obligation d'achat, par contre il ne va pas intéresser tous mes abonnés, puisqu'en fait le concours c'est pour gagner des places gratuites pour venir au Comic Games. Donc le Comic Games c'est un salon qui aura lieu le 29 et 30 septembre, donc ça se passe à Sorgue. Alors à Sorgue les gens vont dire, mais c'est quoi ce truc Sorgue? En fait Sorgue c'est juste à côté d'Avignon, voilà. Vous sortez d'Avignon, c'est à 5 minutes en voiture et vous avez Sorgue, donc ça se passera au Boulodrome de Sorgue. Et l'an dernier, j'étais sur ce petit salon, je vous avais fait une petite vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Alors, je n'ai pas pu vous filmer quand il y avait des gens, puisque j'exposais sur ce salon. Et cette édition, je serai encore exposant. Donc, je vous ai filmé un petit peu avant, mais vous avez plein de stands que vous connaissez, si vous avez déjà vu mes vidéos. Voilà, vous vous retrouvez souvent sur le salon du site, avec Rakotine, avec ses petits goodies Sailor Moon, Totoro, Japanese Good. Donc, eux, vous les connaissez, puisque vous voyez toujours leur stand sur mes vidéos. Voilà, vous avez par exemple la N64 Pikachu, vous l'avez vu encore récemment sur ma vidéo du Geek Universe 3. Il y aura qui? Bah, il y aura le Loigné du Geek, David, pour ceux qui me connaissent, quoi, collecteur distribution. Il y aura moi, bien sûr, il y aura mon pote aussi, PR Multicollection, qui est spécialisé dans le jouet vintage. Donc c'est vraiment sympa, et du coup, et ben, comme je connais bien les organisateurs, ils m'ont dit, on a 5 places à faire gagner à ton public. Voilà, et je sais que dans mon public, il y a des gens qui sont peut-être intéressés, alors... Romain et Missu, alors je sais pas, en fait Missu, je dis ton prénom, donc chaque fois je dis Missu, donc Missu Toshi. Eux, je crois qu'ils pourront pas venir, ils sont un peu éloignés. Mais je sais par exemple qu'il y a Bruno, bah tiens, il y a Eric aussi. Il y a qui, il y a Ismaël, si tu regardes cette vidéo. Il y a peut-être Seb Dieu. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, bah, vous mettez dans le commentaire. Je participe, je ferai un petit tirage au sort vendredi pendant le live. Et les 5 personnes qui seront sélectionnées, bah, auront une entrée gratuite pour venir à ce salon. C'est toujours sympa, voilà, surtout pour les gens du coin. Après, si vous allez habiter plus loin, vous pouvez venir aussi. Hein. Je dis pas non, ouais. Mais voilà, ne participez pas si vous comptez pas venir. Donc du coup, ben, ce petit salon, je vous le dis, c'est une petite convention geek d'ici. Voilà, donc c'est organisé par deux amis. L'un des deux, c'est un commerçant qui a tenu, ben, qui tient toujours d'ailleurs sa boutique. Voilà, mais donc c'est un gars que j'ai connu quand j'avais, je sais pas, 17 ans. L'époque des premiers mangas, c'est-à-dire les premiers mangas. Vous trouviez un ou deux mangas Dragon Ball, en cette vidéo il y avait quoi, Video Girl Live qui sortait. C'était l'époque, il y avait la collection manga vidéo aussi qui sortait dans les magazines. Et pour ce salon, surtout, ce qui peut intéresser certains d'entre vous, même si vous n'habitez pas à côté, c'est qu'il y a des invités sur les séries un peu comme XOR. Donc il y a l'acteur de Metalder et l'acteur de Jiban. En plus de ça, il y aura Michel Barouille, voilà. Donc Judo Boy, Bioman, pas la version éliminée hein, pour le générique. Mais lui, il a fait pas mal de génériques de ces animés qui sera invité. Vous avez quoi? Bah après, vous avez pour les centres du coin, il y a Alexis Stallone et Amanda Tagliavini. Moi, j'ai mal dit, il y a Yanu, pour ceux qui connaissent. Il y aura, vous le connaissez aussi, Grégory Merono. Vous l'avez souvent filmé sur les stands où il y a tous les dessins de Dragon Ball. C'est lui aussi qui a les Saint Seiya dans les cadres lumineux. Donc il y aura ça, il y aura d'autres boutiques à Matrice. Il y aura ma petite boutique à moi avec mon petit stand aussi. Donc vous venez, passez me voir, ça me fera plaisir. Vous verrez un peu, il y a pas mal d'abonnés qui m'ont vu et puis je suis comme en vidéo. Voilà, moi je suis assez naturel. Donc l'édition se passe sur 2 jours. Par contre, je crois bien que les invitations sont sur 1 jour. C'est déjà bien. Donc je vous le rappelle, vous mettez en dessous dans la description, dans les commentaires, je participe. Et voilà, je noterai vos noms sur un papier où je ferai un tirage au sort. On verra ce qui sera le plus pratique. Et puis après, ben, je regarderai comment vous envoyer les places gratuites. Donc il y a aussi un petit site web artisanal. C'est www.comicsgames.fr. Je vous mets le lien sur l'image, comme ça vous pourrez aller voir. Donc il y aura aussi des activités, il y aura un atelier Gundam, il y aura, je crois que c'est Laser Game, il y aura bien sûr Aircabe aussi qui viendra avec ses petits bar top qu'il fabrique. Il y aura Mario aussi, que vous voyez souvent sur mes vidéos. Donc il y aura sûrement les gens d'Asfo 84, une association d'Orange. Voilà, vous voyez souvent, d'ailleurs je vous mets d'ailleurs quelques photos de eux. Il y aura aussi des cosplays, voilà, ça c'était les photos de l'an dernier. Donc j'essaierai moi de vous faire un reportage de là-bas, mais comme vous le savez, je vais vendre là-bas, donc je pourrais sûrement vous filmer ben, l'installation. Peut-être un petit tour avant l'ouverture au public, mais après, en principe, le samedi et dimanche, je serai bloqué sur mon stand et je ne pourrai pas trop filmer. Si jamais je suis pas loin de la scène, j'essaierai de vous filmer la scène. J'essaierai que vous allez filmer aussi les 2 acteurs japonais, quand même. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi, pour une petite convention, c'est sa 2e édition. Hein. Avoir deux acteurs japonais, ben, moi je dis bravo quand même, même chapeau plutôt, voilà, chapeau plutôt que bravo. Donc je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder dans mes vieilles vidéos, tapez Comics Game, j'en avais fait 2 je crois, 2 lives, l'image ça va au niveau de la qualité. C'est pas comme au Geek Universe. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à tenter votre chance, hein, voilà. Je vous l'ai dit, je sais déjà qu'il y a quelques personnes qui pourront être intéressées.
Eric, Sebdieu, Ismaël. Qui encore? Ben non, pas Grégory, parce que Grégory, il est exposant. Peut-être Misitoshi et Romain. Et puis sûrement ben, les gens que j'oublie. Oui, parce qu'il y avait qui encore dans le coin? Il y avait aussi quelqu'un qui habitait à Saint-Ruf, Alain, je crois. Enfin, vous êtes plusieurs à avoir le même style de pseudo. Donc en tout cas, je vous redis, c'est un jeu concours là-dessus. Voilà, je ferai le tirage au sort vendredi soir pendant le live. Si vous n'êtes pas nombreux, je mettrai ça sur des petits papiers, ce sera plus sympa. Après, si vous êtes 4, ben voilà, vous aurez tous une place gratuite, une entrée gratuite. Donc comme d'habitude, en tout cas, ben moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!